Le soleil se leva et me dirigeant vers la forêt, sans aucun bruit, le plus discrètement possible. À ce moment-là, je décide de cacher mon sac de bivouac dans un buisson. Et ne prends qu'avec moi mon matériel photographique.
Ceci est mon piège à poisson. La bouteille est coupée en deux et le goulot est rentré inversement à l'intérieur de la bouteille. J'ai mis des cordes à chaque coin. On va mettre des galets dedans pour ne pas qu'ils s'en aillent. Comme ça, c'est lourd. Et puis nous allons le mettre dans l'eau. Le poisson va rentrer, il va être bloqué, il ne saura plus sortir. Pour la réalisation de feu avec du silex, il faut tout d'abord utiliser une pierre de silex et une pierre de marcassite. Pendant longtemps, nous avons cru que l'on pouvait réaliser du feu avec deux silex, ce qui est totalement impossible parce qu'en réalité, deux silex, un contre l'autre, réalisent une étincelle froide. Mais par contre, la pierre de marcassite, qui est riche en métaux et en soufre, qui réalise avec le silex, qui va réaliser une étincelle chaude, tout simplement. Tout d'abord, il va falloir gratter un peu la pierre de marcassite avec le silex pour obtenir une petite poussière noire par-dessus le champignon amadou. Évidemment, pour réaliser du feu ou une braise sur le champignon amadou avec la marcassite et le silex, ce n'est pas quelque chose qui va être facile à produire, pas aussi facile en tout cas que le Fire Steel, parce que à la force de donner des coups avec le silex et la pierre de marcassite, va créer des micro-étincelles. On ne les voit pas spécialement, mais elles sont là. Jusqu'au moment où le champignon sera touché et va créer une braise. Et une fois qu'on a notre braise, on a déjà pas mal de temps avant que ça se consume totalement, donc on a le temps de préparer. Donc le but, c'est de préparer la paille avant et puis ensuite, une fois que vous avez votre braise, vous l'installez dans la paille avec un peu d'aération vers le bas, vous repliez sur lui-même et vous soufflez et cela va créer de l'air qui va faire prendre feu
Et du coup, une flamme va apparaître.
Ben voilà les amis, c'est ici que cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais continuer mes activités et prochainement d'autres aventures. C'était pas mal de voir les deux brocards comme ceci. C'était vraiment chouette de les revoir. Je les avais déjà vus auparavant, ils étaient là tous les deux. Et le mâle qui est derrière dans la forêt juste à côté en fait, c'est une prairie et puis l'autre et puis après il y a une forêt. Et là ils se rencontrent, ils sont à chaque fois tous les deux là. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Ciao.